Et plop les gens, comme prévu, on va s'attaquer à une horde. Il y en a deux. Celle-ci pour aller au col étroit avec 1104 infectés. Celle-ci pour aller à la côte osseuse avec 1096 infectés. 1096 est inférieur à 1104, donc on va commencer notre découverte des hordes par ici. Quoique là, on voit trois types. Est-ce que ici, il y a même quatre types? On va là où ça a l'air le moins compliqué, vraiment. Effectivement, ça donne des points d'empire, mais pas de points de recherche. Points d'empire que je ne sais toujours pas à quoi ils servent. Il y a une horde de 1096 infectés au milieu de la route. Pour dégager la route et continuer à développer les colonies sur cette voie, vous devrez d'abord détruire la horde avec l'armée de l'Empire. Condition de victoire, détruisez tous les infectés, résistez à toutes les hordes d'infectés. Condition de défaite, l'avant-poste ne peut pas être détruit ou infecté. Nous avons 368 infectés jeunes. Ce corps infecté est très faible et lent. D'accord. 364 infectés décrépits. Ce corps infecté est très faible et lent. Et 364 aussi infectés âgés. Ce corps infecté est très faible et lent. D'accord, ce ne sont que des faibles et lents. J'ai eu peur qu'il y en ait qui courent. Ou des gros, parce que les gros ont l'air d'être quand même costauds. C'est parti, on va voir ce que ça donne. Double cliquer sur un bâtiment pour sélectionner tous les bâtiments du même type. J'espère bien. Est-ce que ça commence en pause ou pas? Je ne pense pas. C'est un très bel effet, mais c'est un peu long ce zoom. Mission d'attaque. Lors des missions d'attaque, votre objectif est de détruire la horde d'infectés qui bloque la route de votre prochaine mission. Pour détruire la horde, vous pouvez compter sur l'armée impériale, mais vous ne pourrez recruter qu'un certain nombre de troupes et de structures de défense en fonction de votre commandement, qui repose sur la quantité de points d'empire que vous possédez. D'accord, donc les points d'empire servent à ça, c'est très clair. Voilà, maintenant j'ai compris. Si le poste de l'officier est détruit ou infecté lors de l'attaque, la mission échoue. La mission commence avec le jeu en pause. Sélectionnez le poste de l'officier pour recruter et placer des unités et structures de défense directement sur la carte. Quand vous avez utilisé tous vos points d'empire et que votre déploiement de troupes vous satisfait, appuyez sur le bouton commencer pour lancer l'attaque. Très bien, commencer, c'est start. Commencez la bataille, quand vous avez fini de placer votre armée et vos défenses, appuyez sur ce bouton pour commencer la bataille. À compter de là, vous ne pourrez plus placer de nouvelles défenses sur le champ de bataille. Très bien. Alors, je suppose qu'ils peuvent attaquer de partout, vu qu'on est au centre. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Défense de l'Empire, 93 sur 5000. Les structures défensives de l'Empire pour lutter contre la horde d'infectés. D'accord. Guérir barrière en bois bloque le passage des ennemis jusqu'à sa destruction. Ouais, mais elle a combien de PV? Et ça vaut 10 points, c'est ça? Et armée impériale, des rangers ou des soldiers. Sachant qu'on avait vu que les soldats faisaient plus de dégâts et tiraient plus vite, je pense que vu qu'on n'a pas besoin de se déplacer des masses, hein, ils ont l'air de... Enfin, faut défendre le truc central, donc... Au pire, s'il faut en chercher quelques-uns, on laissera la majorité là et une troupette fera le tour. Donc on va surtout recruter des soldats, hein, je pense. Oui, cette unité disciplinée et polyvalente peut remplir n'importe quelle fonction. Ils portent une armure lourde et sont équipés d'une mitraillette. Je crois que j'avais déjà vu ça. En plus, ils vont venir, c'est pas comme si on pouvait être discret. En poste, le centre des opérations pour le déploiement de l'armée et des défenses pour attaquer les hordes d'infectés sur le terrain. On va recruter des soldats. Normalement, c'est que des lents, je sais pas moi, ça fait un passage là, un double passage là, un triple passage là, un passage voire double ici et trois passages là-haut. On va commencer, ça m'a bien enlevé 20 points.
Bon, ouais, on fait comme ça pour le moment, c'est clairement pas suffisant. Ah, peut-être un tout petit peu plus haut, on pourrait les mettre eux. Bon, après, je les mets quasiment à l'endroit des barricades en fait. Mais je pense pas forcément avoir envie de mettre des barricades, hein. Les barricades ça tire pas. Et donc là on en a dépensé quand même déjà beaucoup de points. Où est-ce que j'en ai pas forcément mis beaucoup de gens? Eux on va essayer de les avancer. Eux on va mettre un gens là de plus. Ici aussi. Ici, là. Là c'est quand même un grand espace mais qui durerait. Voilà, il me reste plus beaucoup de points évidemment. C'est là où je me dis que peut-être que je me suis jeté dans la horde un peu trop vite, mais vu que je ne savais pas que c'était les points d'Empire, je suis parti. On y va, on voit ce que ça donne. La bataille commencera et vous n'aurez plus la possibilité de placer de nouvelles défenses. Voulez-vous vraiment commencer la bataille immédiatement? Bah, de toute façon, je peux pas en placer plus. Ok, et effectivement, ils ont l'air d'arriver dans tous les sens. Mais alors, vitesse de zombies, hein. Oh, c'est en bas où il y en a le moins. Enfin, où ils sont les plus lents. On va essayer d'avancer un petit peu. On en a juste au sud en tout cas, là où je peux à peu près voir tout ensemble. Vous pouvez peut-être avancer par là, vous aussi. Non, vous deux peut-être là-haut. Ça a l'air d'aller. Où ça? Oui, ici, j'ai vu. Ok, ça a l'air de bien se passer de partout, hein. Toi, tu vas courir. Ici c'est la mouise, donc toi tu vas reculer, vous trois vous allez attaquer de ce côté là plutôt. Ici. Je vais monter là. Vous allez reculer ici, toi tu vas reculer là. Tu vas reculer, toi aussi. Là, il y en a beaucoup de monde. Vous allez reculer ici. Vous allez là. Ça a l'air bon, hein. Oui, unit under attack, effectivement, ici. Ici, vous pouvez reculer un petit peu.
toi, tu peux peut-être venir ici pour aider. Alors toi, tu vas avancer. Et vous deux, vous allez venir là. Vous, vous allez reculer là. Et en fait, tous là, vous allez essayer de venir comme ça. Vous, vous allez là. Vous, vous venez là. Vous, vous reculez un petit peu. Vous, vous reculez un petit peu. Toi, tu recules. Et on a l'air de plutôt bien s'en sortir, je dirais. Bon, bah, ça va. Et là, vous vous avancez. Vous pouvez même venir ici. Peloton d'exécution. Félicitations, vous avez détruit la horde et vous pouvez maintenant continuer l'expansion. Très bien. Ça faisait beaucoup quand on lisait 300 là. Mais mission accomplie pour la horde. Un épisode de 10 minutes, je trouve que ça fait court. On peut se faire la deuxième horde. Je pense que vous ne m'en voudrez pas. Il y a une horde de 1104 infectés au milieu de la route. Pour dégager la route et continuer à développer les colonies sur cette voie, vous devrez d'abord détruire la horde avec l'armée de l'Empire. Même condition de victoire, hein. Détruisez tous les infectés, résistez à toutes les hordes. L'avant-poste ne doit pas mourir. Ici, nous avons des cons infectés. Cet infecté était un travailleur dans une colonie qui a été infecté par le passé. Infecté frais, son corps a été infecté récemment. Il est donc plutôt fort et rapide. Oh, c'est cela que j'avais pas trop envie de voir. Infecté frais, encore? C'est juste que c'est un skin plus féminin plutôt que plus bourrin. Son corps a été infecté récemment, oui. Elle est donc plutôt forte et rapide. Colon infecté. Deux types de colons infectés et deux colons infectés frais. Cet infecté était un travailleur dans une colonie qui était infectée par le passé. Et ben, on va commencer. Alors. J'aime beaucoup l'effet, mais c'est un peu long et tout. Oui, ça c'est ce que je viens de lire tout à l'heure, non? Bon, en tout cas, on a bien fait de commencer par l'autre, puisque maintenant on a 100 points de plus. 100 points, ça correspond à 5 soldats, c'est ça? En plus. Ce qui sera bien. Ici, on a un goulot d'étranglement qui peut être bien, et puis après, le temps de se replier. Même chose par là, et de quoi se replier. Par contre, il y a plus de monde dans juste un couloir, donc il n'y a que deux endroits à vérifier, mais... Mais il y a beau avoir juste deux endroits, c'est deux endroits à bien soutenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, on va pouvoir en mettre un certain nombre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 4, 5. J'essaie de répartir au mieux. Il reste 100. Bah justement, il reste ceux
qu'on avait en plus, deux en haut et trois en bas. Oui, en haut ça m'a l'air d'être un peu mieux comme goulot d'étranglement. Donc on va partir comme ça. Oui. Ah oui mais non. Effectivement, les coureurs, c'est pas ouf. Alors, eux, par exemple, peuvent aller comme ça pendant que eux courent. Ici, eux, vous courez, vous avancez légèrement. Oh, punaise. Je crois que je l'ai un peu sous-estimé du coup cette mission. Quoique... Alors... Ici les premières lignes... Non vous plutôt vous allez là. Et les autres peuvent continuer à canarder. Vous, pareil, première ligne à droite. Première ligne à gauche. En fait, tout le monde, vous reculez. Punaise. Après peut-être que j'essaie trop de qualité la horde. Vous allez pouvoir faire ça en fait. Toi tu cours si tu es encore en vie mais peut-être pas. Vous courez là. Pendant que vos potes canardent, vous courez. Là, non, j'ai trop pris. Vous. Vous courez maintenant, c'est votre tour. Vous attaquez. Et. Vous attaquez en reculant. Vous courez là. Vous courez là. Et vous êtes tous en train de courir. Et vous pouvez courir jusqu'à la base, hein, maintenant c'est trop tard. Et c'est la mouise, je le sens. Ouais. Bien. Comme on a dit, le jeu nous résiste, c'est bien. On va recommencer. L'épisode reste court, on peut recommencer. Par contre, c'est pas parce que je recommence que je sais comment mieux faire. Est-ce que... Genre si je faisais ça d'abord, je pourrais gagner 140 points, donc quelques soldats de plus. Si je faisais celle-là, je pourrais gagner 200 points quand même. Ça fait un bon nombre de soldats en plus. On va au moins la recommencer une fois, et si on n'y arrive pas, on verra. Comment on peut faire ? C'était bien d'essayer de kiter, mais c'était beaucoup trop brouillon avec 3 soldats qui... Avec quelques soldats qui courent pendant que quelques autres soldats
reste en place pour pouvoir tirer. Peut-être avoir une ranger de chaque côté pour faire un peu à pas lapin. Faire des gauches-droites. La horde. La horde soit bloquée. Peut-être. Peut-être des barrières là autour. Avec genre un point d'entrée en haut, un point d'entrée en bas. Et. Comme ça, au final, on se regroupe dedans. Après, ça fait. Ça va faire un bon nombre de barrières, quoi. Ah ouais, faudra que je mette jusqu'ici les barrières. Ah non, 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 moi je voulais pas mettre. Ah ouais. Ouais, ça fait beaucoup de barrières tout ça. Et Retokumiya. Ça fait beaucoup de barrières. On peut en faire un. Alors, on peut en faire. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, 1, 2. Hop, 3, 4, 5. Mais ici, c'est plus compliqué d'être proche. Et protégé et avoir un point d'appui. Est-ce que je mets des barrières? Parce que les barrières, oui, ça encaisse, mais non, ça ne tire pas. Hein. Je sais pas trop. Ou est-ce que j'en mets genre là? Enfin, justement, aux endroits où j'avais dit que ça faisait un peu. Un peu endroit resserré. Alors là, je peux remettre 1, 2, 3, 4, je suppose. Peut-être qu'il y avait 4. Ah oh bah oui, une là. 1, 2, 3. 3 comme ça. On peut essayer des barrières ici, ouais. Ouais. Je sais pas si le type de barrière a une influence. Ici, avec 4 barrières, elles ont combien de vie les barrières? 300. Ouais, un soldat, ça a beaucoup moins de PV et. Et ça coûte beaucoup plus cher. Oui. Maintenant, ici, à quel endroit on les met? On pourrait mettre une là et trois là. Une, deux et trois là. Le problème, c'est qu'ils pourront passer à côté quand même. On va juste en mettre une et trois là. Et puis les quelques-uns qui passent là, c'est pas si grave. Après, pour ceux qui iront tout droit, c'est plus gênant. Ou alors, un, deux, trois et une, deux. Ouais, ça c'est pas mal. Maintenant des soldats. Neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze. Ah oui, t'as bugué, Retokyo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et je peux avoir une ranger. Une ranger. Oh, au nord, ça va être compliqué. De toute façon, il n'y a qu'un passage. On va la mettre là, on va essayer d'attirer les zombies et de faire ça avec elle comme chemin. Et non, pas encore couché, c'est bien cette heure-ci. Et voilà que j'avais en tête, voilà ce que j'avais en tête au gameplay. Oui, mais c'est même pas vraiment ça, ça c'est
C'est un gameplay de Horde. Ça ressemble un petit peu plus au jeu de base, mais il manque la partie gestion, construction des bâtiments. Il y a juste une horde, ou plusieurs, ici une au nord, une au sud, qui nous attaque et il faut défendre. Ah, on lui fait faire ça. Au final, eux, non, ils sont plutôt ici, les zombies. Ouais, bon, elle s'est fait buter. C'était un peu prévisible. Voilà, et vous allez directement là. Eux. Et on recommence, mais non, c'est pas ouf. Autant quand les zombies vont à deux à l'heure, ça marche. Autant quand ils sont tous en train de courir, j'ai l'impression quand même qu'on a mieux défendu. Mais la technique n'est pas là. C'est triste. Donc le col étroit, on n'ira pas tout de suite. On va attendre d'avoir plus de points d'empire. C'est pas grave. Est-ce que les points d'empire, on se les fera sur la côte osseuse, qui est déjà une mission de niveau 2? Ou est-ce qu'on se fait d'abord la prairie du chasseur, qui est une mission niveau 1? Je pense qu'on fera d'abord la prairie du chasseur. Voilà, c'est mon intuition là tout de suite maintenant. On verra la prochaine fois. J'espère que ce court épisode sur les hordes vous aura plu. Et je vous dis à très vite.